instrument de rechange, hein. C'est une belle émotion, une belle joie, ça fait plaisir, ce sont des moments qui sont rares dans le football, parce que tous les ans il n'y en a qu'un qui monte, il y a des moments comme ça un peu privilégiés, donc on en profite et on savoure. Voilà, parce que bon, début de match, un petit peu peur, les joueurs avaient un petit peu la peur au ventre de faire un mauvais match peut-être, parce que, et puis une belle équipe en face quand même. Tout à fait, c'est une équipe sur les deux matchs qu'on n'a pas réussi à gagner encore, donc ça prouve leur qualité, ça prouve leur détermination aussi, c'est à l'image un peu du match de Rodez, où on avait des gens qui avaient en face de nous à cœur de délivrer un beau match, pourtant eux ils sont sauvés, ils ne restent plus rien, ils ne peuvent pas monter non plus, mais ils voulaient battre le premier tout simplement, et je crois qu'il faut les féliciter aussi parce qu'ils ont joué le jeu, on a vraiment mérité tout au long de cette saison notre montée, notre accession, parce que personne ne nous a fait de cadeau, il a fallu s'arracher tous les dimanches, et là-dessus je voulais tirer un grand coup de chapeau à mes joueurs parce qu'ils ont fait un boulot énorme. C'est très belle équipe quand même, puis des joueurs sérieux, puis bon, on l'a vu ce soir encore. Dès que vous avez pris le but, ils se sont remotivés de suite. Oui. Il fallait qu'ils se désinhibent. Parce que ce sont des gens qui étaient déjà sur le match précédent inhibés, parce que bon, la plupart d'entre eux, c'est la première fois qu'ils vivent des moments comme ça. Donc c'était normal qu'ils appréhendent ce match de cette façon-là. Et ce but, quelque part, les a libérés. Et c'est vrai que sur la deuxième mi-temps, on mérite quand même de marquer un but, parce qu'on a eu les occasions, on a eu les espaces, on a eu les frappes, on a eu les centres. Ouais. Donc on s'est présenté devant le gardien assez souvent. Donc c'est vrai qu'on aurait mérité de gagner, et ça aurait été encore le plus par rapport à ce moment. Et puis je crois qu'il reste 3 matchs encore. Tout à fait, il nous reste 3 matchs, voilà. Et notamment un match important à Laval. Voilà, mais oui, parce que peut-être les titres de premier champion. Exactement, c'est ce qu'on espère, hein, secrètement. Et c'est vrai que ce soir, on est de nouveau en position de leader, à nous de la conforter sur ce déplacement. Bon, bah, écoutez, bonne.